Mariage, de moment là, j'espère Kayoka a sali 30 ans de mariage, puis 50 ans d'anniversaire. Donc voilà, toute la famille, ma amie, tout ça motivé, tout est pour s'épeler sa baron, là, tonton Robert, tout est moussika, tout est vraiment tout le monde est 30 ans de mariage, c'est pas facile, vraiment. Personnellement, je suis très très contente. Ma mère, félicitations. Puis que bananayo, tout ça, Kaloko ayo. Tonton Robert, vraiment des félicitations. Je suis très contente. Tosa Bisonio, Sobana Soa, la Vazali, Gisla Massamba, et Moura la Pointe. Tosa vraiment Bisonio, se mobiliser. Bati Amérique, Bati France, Bati Italie. Donc, Bati partout. Mais qu'on célébrait l'événement Oyo. Donc, il y a mon aîné. Tosa Alice, ce n'est pas que dans l'église, hein. Ce n'est que la première partie, suite et fin, les Alice. Donc, on a la Bundes. Précisément à Arène, en Allemagne. Ah, donc, à ce soir. Donc ça, on ne pouvait pas manquer. Vraiment. Donc, tata, moi, ça va commencer. Donc,
Thank you.
la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous t'avons entendu très longtemps, Esther, mais c'est avec ce psaume que je t'avais salué à l'entrée. Das Bibelwort aus dem Psalm 118, ein altes Wort der Freude über die Zeit des Glücks und Segens, die Gott schenkt. Le passage que nous avons lu dans le psaume 118 est un vieux texte qui parle de la joie que l'Éternel donne. Esther, Kalkolka, Nebel und Gobert, Nebel, Sie haben uns hier zusammengeholt zur Hochzeitsgemeinde, zu Ihrer Hochzeitsgemeinde. Eh bien, c'est le frère Robert, je vais commencer avec la sœur, c'est la sœur Esther et le frère Robert. C'est vous deux qui nous avez invités ici à votre cérémonie, c'est-à-dire la bénédiction nuptiale. Elle me remercie pour la traduction. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Hein? Je crois que tout le monde comprend quand même l'allemand. Non. Vous êtes venus de partout pour célébrer avec Esther et Robert cette cérémonie. Nous voulons partager la joie que vous avez dû avoir pendant les 30 années de vie commune. Wir wollen weiter mit Ihnen Gott vertrauen, der Sie bisher begleitet und behütet hat. Et nous voulons faire confiance au Seigneur qui vous a gardé, qui vous a guidé jusqu'à ce moment-ci. Wir feiern diesen Gottesdienst mit viel Musik, mit Ihnen als Chor und auch mit Frau Michel an der Orgel. Nous célébrons ce mariage, si je peux le dire, cette bénédiction nuptiale, avec beaucoup de musique ici, à notre droite, et avec la sœur qui est là haut avec l'orgue. Et nous vous remercions aussi, vous, en tant qu'Église, qui chantez aussi avec beaucoup de joie. Et nous célébrons ce culte au nom du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Viele sind gekommen, haben sich auf den Weg gemacht mit
de part et d'autre, de deux familles, la famille de la sœur Essa et la famille du frère Robert, nous savons qu'il y a quelques-uns qui sont venus, mais pas tous. C'est vrai qu'on aurait bien voulu que tout le monde soit là, mais ce n'est pas toujours possible. Et les filles aussi, vos filles sont là, sont-ils venues? Et tout ce qui appartient à vous deux. Befreundete aus Unterbauer, von denen Sie erzählt haben. Ilse, Walter, Andreas und wer da noch dazugehört, die Sie so engagiert in Ihren Anfängen in Deutschland begleitet und unterstützt haben. Et les connaissances aussi de Unterbauer, qui sont venus, qui vous ont aussi aidé et guidé. Quand vous êtes arrivé ici à la Mali. Nous nous réjouissons vraiment avec vous qu'après 30 ans de vie commune, vous voulez encore renouveler vos engagements. Et Dieu vous unit encore de plus. Aus den Worten der Heiligen Schrift habt ihr gehört, wie Gott euch in eurer Seele leitet und segnet. Et nous avons remarqué dans le texte comment Dieu voudrait bien vous voir unis. So frage ich euch, wollt ihr euch dazu bekennen vor Gott und dieser Gemeinde. Je vous pose encore la question si vous allez encore le reconnaître ici devant Dieu et devant l'Église. Antwortet ja mit Gottes Hilfe. Et vous répondez oui par la grâce de Dieu. Un moment, vous allez le prononcer. Attendez, hein, pour vous qui piétez. Oui, par la grâce de Dieu. Ja, heißt doch, wir wollen weiter in unserer Ehe nach Gottes Willen leben und auf seine Güte vertrauen. Oui, nous voulons faire confiance en notre Dieu et vivre selon sa parole, selon sa bonté. Ja, heißt doch, wir wollen auch weiter in Freude und Leid zusammenhalten, unser Leben lang. Et oui, signifie que nous voulons vivre dans le meilleur de vie toute la vie. Ja, heißt auch, wir wollen dabei nicht nur einander sehen, sondern gemeinsam auch andere und für sie da sein. Liebe leben und im Frieden leben. Oui, signifie non seulement s'aimer l'un l'autre, mais aussi manifester cet amour-là envers les autres. Et c'est le Tout-Puissant, le Seigneur, qui nous y aide. Nous allons nous lever demander à l'Église de se lever et nous allons prier avant de bénir Dieu pour cœur. Deine Treue ist groß, Gott. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich für dieses Ehepaar. Erhalte und stärke ihre Liebe. Gib ihnen die Kraft und Freude, einander beizustehen und auch für andere Menschen da zu sein. Bleibe bei ihnen mit deiner Treue. Bewahre sie auf ihrem Lebensweg. Und lass sie teilhaben an deinen Verheißungen, aufs ewige Leben, wie eine große Hochzeitsmahl. Gemeinsam bitten wir dich für Christus, unseren Herrn, dass wir ganz persönlich als Bitten für diese beiden auf dem Herzen haben. Wir bringen es voll Vertrauen vor dich und beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. So beten wir, Vater, unser Himmel. Prions et notre Père. Sei frei.
appartiennent le règne, la puissance, la gloire, sur le ciel.
si on les met côte à côte comme ça, ça montre le signe de l'infini en mathématiques. Et aujourd'hui, c'est un symbole de l'amour entre Esther et Robert, un amour qui n'a pas de fin. L'amour est tout, hein, sans l'amour, il n'y a rien du tout. Alors ils vont se changer ces anneaux qui est un signe, un symbole de l'amour qui n'a pas de fin. Véritablement pour un nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.